Ravi de vous retrouver sur Gabon News. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Au sommaire de l'actualité ce soir, déroulement depuis ce matin à Libreville des travaux de la 63e session de l'Union parlementaire africaine. Pendant 5 jours seront débattues les questions de résolution des conflits armés de la sécurité alimentaire en Afrique. Dans un instant, vous aurez les détails de cette session. Et puis, Ballon d'Or 2013 seulement, et footballeur africain, l'Ivoirien Yaya Touré, qui fait honneur au continent en faisant partie de la liste des 23 nominés. Mais l'hypothèse d'une couronne dans un avenir proche par Pierre-Emerick Aubameyang est envisageable. Et l'on commence avec le ramassage des ordures dans les quartiers de la capitale gabonaise qui devient inlassablement un dilemme. Depuis quelque temps, des efforts semblent être fournis, certes, mais toujours insuffisants vu l'ampleur du phénomène. Le constat de Sabrina Polo, les images de Justin Bitigui. Le phénomène d'insalubrité galopante auquel Libreville fait face actuellement préoccupe plus que jamais les populations. Outre quelques initiatives privées visant le nettoyage de la ville, le problème reste entier. En ce qui concerne, n'est-ce pas, les ordures, l'enlèvement est sporadique. Bon, à un moment donné, bon, les ordures disparaissent et à un moment donné, puis bon, on a tendance à croire que bon, ça ne se fait pas régulièrement comme avant. Donc, on déplore la situation, mais on ne sait pas, n'est-ce pas, où se situe la responsabilité. Il y a un semblant de ramassage. Quand ça déborde un peu, bon, les gens essaient d'enlever et puis après, bon, on fait 3, 4, 5 jours, une semaine même sans qu'on enlève les ordures. Au fil des jours, les Gabonais ne savent plus où donner de la tête face à cet tas d'immondices très nuisibles et gênants. Ben, c'est vraiment une situation délabrante, vraiment une situation qui désole toutes les populations environnantes. Ben, j'espère que le plus vite sera le mieux de y remédier à cette situation. Ce problème interpelle désormais les décideurs à l'heure où le pays s'apprête à renouveler ses élus locaux, parmi lesquels sortiront les responsables des voiries urbaines en charge de la salubrité des cités. Une élection qui sonne déjà comme une solution à ce phénomène. Libreville, capitale de l'Afrique, depuis ce matin, à travers la 63e session de l'Union parlementaire africaine qui tient actuellement ses assises en terre gabonaise. Il sera question, durant ces 5 jours, de traiter de la résolution des conflits armés et de la sécurité alimentaire sur le continent. Kenyo Ngouri et Justin Mitégué pour les détails. C'est par une minute de silence à l'endroit des naufragés de Lampedusa que les travaux de la 63e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine se sont ouverts ce lundi à Libreville. Cette réunion vient donc affirmer la solidarité et l'union des pays d'Afrique à œuvrer en association. C'est un climat de satisfaction pour notre pays et pour les deux chambres de notre parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et nous accueillons ce jour les parlementaires des pays frères d'Afrique à un moment où notre solidarité doit plus que jamais s'affirmer face aux défis multiples auxquels est confronté l'Afrique, notre continent. La présidente du comité exécutif, à travers son allocution, a jeté les bases des travaux afin que les parlementaires africains soient en même de contribuer à l'émergence de l'Afrique sur les questions de conflit dans le continent et sur la sécurité alimentaire. C'est de l'un des topics qu'on va discuter au cours de la conférence. Et nous espérons que ce qui sortira de cette conférence pourra être d'un appui très important pour le fonctionnement de l'Afrique. Les parlements vont jouer un rôle très important en tant que représentants des peuples, vont mobiliser les gouvernements pour qu'ils prennent les mesures nécessaires pour éradiquer ces conflits armés en Afrique. Ces 40 parlements nationaux qui prennent part aux travaux de la capitale gabonaise, dans le but d'inciter les différents États à plus d'actions en faveur de la paix et d'une sécurité alimentaire pour le continent. Mesurer les croyances, les orientations, mais surtout les opinions d'une population, voilà en quelque sorte à quoi servent les sondages. Bien qu'il n'existe pas encore officiellement des instituts de sondage au Gabon, on peut néanmoins s'interroger sur l'importance de ces enquêtes d'opinion, notamment en période électorale. Plus d'explications avec Philippe Oyaga et Fred Ndongo.
Omniprésents dans les processus électoraux des démocraties traditionnelles, les sondages se sont imposés comme des moyens efficaces pour quantifier les intentions de vote. Si au Gabon, l'heure n'est pas encore à la mise en place d'instituts de sondage, il faut dire que dans la vie politique, leur besoin se fait ressentir. Le sondage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est une mesure de l'opinion d'une population à un moment donné par rapport à un sujet. Avant une élection, par exemple, pour prendre le cas de l'élection, avant une élection, on peut déjà voir la tendance. Et on peut même voir la tendance de l'abstention, surtout, c'est là le problème. Parce que les électeurs pourraient bien dire qu'ils ne vont pas aller aux urnes. Alors, si c'est le cas, à partir des sondages, est-ce qu'on ne peut pas rectifier le tir ? Connaître les intentions de vote n'est pas la seule finalité des sondages. Ces derniers peuvent également constituer de véritables outils d'aide à la décision. Un sondage vous permet de quantifier, de mesurer, de donner une idée de la réalité. Et à partir de là, on anticipe sur la réalité et donc on prend une décision à peu près efficiente. C'est une méthode de calcul qui a ses aléas, mais c'est une méthode de calcul qui permet quand même d'anticiper et de préparer la réalité, si vous voulez, de préparer la décision, la bonne décision, je veux dire. Vu qu'il n'existe pas de sondage d'opinion au Gabon, peut-on encore parler d'opinion publique gabonaise ? Si on peut parler d'opinion publique, elle reste à construire au Gabon. Il faut vraiment la construire, cette opinion, à travers ces sondages, à travers des discussions, à travers des débats. La recherche de l'efficience dans la prise de décision et le renforcement de la transparence électorale sont entre autres des raisons qui devraient inciter les pouvoirs publics à créer un institut gabonais de l'opinion publique. Et puis, un mot ce soir sur l'assassinat samedi au Mali des journalistes de Radio France Internationale. Selon une source officielle, une dizaine de suspects ont été interpellés depuis l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, deux journalistes de Radio France Internationale, RFI, samedi soir à Kidal, dans le nord-est du Mali, a indiqué ce lundi la gendarmerie malienne. Des opérations pour identifier un certain nombre de personnes dans les campements ont été lancés dimanche et sont toujours en cours ce lundi, a déclaré un peu plus tôt le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. À ce jour, les circonstances qui entourent l'enlèvement et l'assassinat des envoyés spéciaux de RFI à Kidal demeurent très mystérieuses. Jamais jusqu'à présent, le Mali ou même le Sahel n'avait connu un tel enchaînement de rapes et de meurtres dans un délai aussi court. Ces faits uniques soulèvent bien des questions. Nous poursuivons ce journal avec la page sport. Pensionnaire de la D2 de la Ligue de football de l'Estuaire, la FJ qui a entamé sa préparation, ambition de monter en première division. Son entraîneur Régis Manon invite cependant au respect du cahier de charges pour les équipes appelées à disputer le championnat national professionnel D2 qui se profile à l'horizon. Mamadou Niang et Fred Ndongo pour le reportage. Pensionnaire de la D2 de la Ligue de l'Estuaire de football, la FJ qui a repris les entraînements a trouvé la stabilité nécessaire pour accéder en première division. On a trouvé le groupe qu'il faut pour être opérationnel dans le championnat qui arrive parce que nous essayons de pouvoir mettre cette équipe dans les rails, surtout pour les années à venir pour qu'ils soient en première division. Au sujet du championnat national professionnel 2e division qui se profile à l'horizon, l'ancien international et coach d'AFJ invite au respect des cahiers des charges. Il y a un cahier de charges qui est là. Il va falloir que certaines équipes soient capables de remplir ce cahier de charges. Et surtout, j'ai dit aujourd'hui, même si on veut que toutes les provinces puissent avoir une équipe en première division, mais vous savez, un moment, il ne faudrait pas qu'on arrive dans un championnat professionnel où certaines équipes de l'intérieur ne puissent pas se déplacer. Son équipe est-elle bien taillée pour jouer les premiers rôles ? Je pense qu'on a, cette équipe-là qui est taillée justement pour jouer ce championnat de deuxième division. Il n'y a qu'à voir tous les joueurs qui y sont là, qui ont donné leur accord, que ce soit des anciennes premières divisions ou des joueurs de deuxième division confirmés, ils sont là. On est en train de se préparer, on verra ce que va décider la fédération et le ministère. Parmi les grands animateurs du championnat des deux de la Ligue de l'Estuaire, la FJ avait terminé 4e au classement général de la poule B à un pied de la montée en première division. Et pour finir, un seul footballeur africain, l'ivoirien de Manchester City, Yaya Touré, figure sur la liste des 23 nominés au Ballon d'Or 2013. Pour le président du Sapin FC, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait prétendre à la couronne dans un avenir proche. Retrouvons une fois de plus Mamadou Niang et Fred Ndongo.
Un seul footballeur africain, l'ivoirien du Manchester City Yaya Touré, figure parmi les 23 nominés du Ballon d'Or 2013. Pour le président du SAPE FC, il serait difficile pour un Africain de remporter le trophée. Je ne pense pas que ce soit le football africain qui est baissé. Je pense que cette affaire de Ballon d'Or, comme vous dites, France Football, est quand même réservée à une élite européenne au vu des performances de certains joueurs européens, au contraire de certains Africains. C'est-à-dire qu'il y a toujours des Africains. Les Africains sont toujours là. Mais comme le nombre d'Européens a augmenté, donc évidemment, la place est diminuée. Parce que c'est quand même... il faut savoir que c'est dur pour les Africains d'obtenir ce prestige-là. L'international gabonais du Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, pourrait-il prétendre un jour au trophée? Pierre-Emerick est un jeune compatriote, il est jeune, il est à Dortmund, un grand club. Il suffit qu'il fasse deux saisons, bon, disons trois, parce que comme il est africain, disons trois saisons pleines avec Dortmund, et dans ces trois saisons, Dortmund s'attrape un championnat et une Ligue des champions, et qu'il est à l'origine, parce qu'il faut qu'il marque aussi beaucoup de buts. Voilà, il ne suffit pas d'être dans l'équipe, et qu'il a l'origine des buts de son équipe, il n'y a pas de raison, il pourrait prétendre à ce ballon d'or. Hein. Pour rappel, seul le Libérien George Weah a eu l'insigne honneur de décrocher le sésame en 1995, à l'époque où il brillait de mille feux sous les couleurs du Milan AC. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Au revoir.